Bonjour les tout petits à la maison. Pour les petits, justement. Aujourd'hui, papa Fonfon, excusez-moi. Aujourd'hui, papa Fonfon va peindre un parc aux dents. Parce que je trouve que c'est une très bonne idée, moi. D'abord, c'est pour aider les sans-abri, ça. Alors, c'est drôle, hein, quand je me promène dans les rues de Montréal en voiture, là, bien installé au chaud. J'ai toujours comme un œil à regarder où est-ce que je pourrais m'installer si j'étais sans-abri. Hein? On sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Alors, c'est pour ça que j'ai accepté, parce que d'abord, c'est une très bonne cause, c'est une bonne idée aussi, puis si on peut aider. C'est agréable. Il va sortir de là une œuvre incroyable. D'ailleurs, les gens vont payer pour cette œuvre-là. Les gens vont mettre de l'argent tous les jours juste pour apprécier. On réussira probablement jamais à amener tout le monde chez nous, mais le bien qu'on peut faire, on va le faire. Ça fait du bien de faire du bien. Alors, la pauvreté va toujours exister, malheureusement, mais si on peut les... Parce que c'est pas toujours des gens qui savent comment s'en sortir. Alors, si on peut les aider, on va les accompagner. On est comme des grands frères, si tu veux. On est une famille, là. Ben, le message est simple, hein? C'est regarde en avant, puis crois-y, puis sois positif, puis verbalise, puis visualise. Si tu veux t'en sortir, si tu crois en quelque chose, si tu le vois dans ta tête, dans tes pensées, si tu le verbalises, ça va arriver. Pascale Goulet-Lemie, elle va sûrement nous peindre une vache ou quelque chose. C'est une fille très près de la terre. Et moi, j'irais plus dans quelque chose de zen. Je vais faire un parc aux dons. Un parc aux dons invitant et joyeux, célébrant le bonheur de la vie. Je vous salue, puisqu'il faut que je vous salue. Au revoir.